Carla Polito, on est ici aujourd'hui à Lille. Lille recevait PSG. Vous étiez la seule équipe avec Lyon qui avait pris des points de PSG au aller. Comment tout s'est passé aujourd'hui? On avait pour ambition de réitérer la même performance, donc au minimum un match nul ou voire aller chercher une victoire. Et bon, on a manqué à notre objectif, mais ce match nous servira pour les prochaines rencontres parce qu'on était présente dans l'état d'esprit. Et il faudra réitérer ce genre de performance contre les prochaines équipes. Oui. D'abord, PSG rate un penalty, puis il y a un beau but de Katoto, une tête. Deuxième temps, comment vous avez entamé le match? On était prête pour retourner au combat, être présente dans les duels. Après, on prend ce troisième but, pareil, sur un centre. Donc ça nous a un petit peu dérangé de prendre ce but, mais on n'a rien lâché, on a continué à jouer. Et maintenant, pour la suite, comment vous voyez ça? Il y a d'abord la coupe, je pense, contre ESAP Metz, et puis la suite en championnat. Ce sera un bon match pour nous préparer à la suite de notre championnat, mais il faudra aussi aller chercher une victoire en Coupe de France pour continuer cette aventure. Et pour les prochaines rencontres de championnat, il faudra essayer de prendre le maximum de points pour réussir notre objectif qui est le match. Oui, parce que je pense que l'équipe Metz a gagné hier, donc ce sera difficile la suite. Elles ont deux points de plus que nous, mais après, faut pas tellement compter sur les autres équipes. Il faut vraiment se concentrer sur nous-mêmes et nos performances. Et vous recevez encore Metz fin mois de mars, j'ai vu. Oui, là, ce sera un match qui est une rencontre qu'il faudra absolument remporter pour repasser devant nos concurrents directs. Ok, merci et bonne chance. Merci.